Oxford, il y a une centaine d'années, vivait un jeune homme qui enseignait les mathématiques, Charles Dodgson, plus connu sous le nom de Lewis Carroll. Il aimait la photographie, la poésie et l'enfance. C'est pour les petites filles du doyen qu'il écrivit Alice au pays des merveilles. Après avoir charmé tous les enfants du monde, le livre fit la conquête et la joie des grandes personnes. Celles qui connaissaient bien l'époque victorienne crurent retrouver dans les héros de l'histoire les personnages réels d'une époque. Se trompait-elle? Avait-elle raison? Le mieux pour en juger n'est-il pas de jeter un regard sur ce qui se passait un matin de 1830 à l'université d'Oxford? Tandis que la vieille cloche sonnait à toute volée, le vice-chancelier, trottant comme un lapin, se rendait chez le doyen dans un but bien précis. Je suis au regret, mais il faut absolument que ce soit fait. 43 toques et 43 robes. En une semaine? C'est simple, je n'aurai même pas le temps de les commencer. Les commencer, c'est votre affaire, mon ami. Mais les finir, permettez-moi de n'en pas douter. Dites-moi, mon cher. Oh, pardon, je vous dérange. Tenez, justement, monsieur le vice-chancelier, tu me connais bien, ne me contredira pas, j'en suis certain. À la postille, nous n'est tenu. Et si l'on veut bien ne pas oublier que mon meilleur coupeur à la varicelle, il est bien évident qu'il ne saurait en être question. Même si notre gracieuse majesté vous en priait. Excusez-moi, monsieur, je ne plaisantais point. Moi non plus, mon ami. La reine nous rend visite la semaine prochaine. Ah, bon, et bien dans ce cas, les choses sont plus ou moins impossibles, n'est-ce pas? Plutôt moins que plus. Plutôt moins que plus. Et dans ce cas, nos toques et nos robes seront prêtes pour que nous puissions faire honneur à notre très gracieuse reine Victoria et au prince consort. C'est ce qui importe, naturellement. Naturellement. Au revoir, cher monsieur. Alors? Une peccadille. Une simple peccadille. Mais cette fois, il faut en finir. D'abord, je ne vous suis pas très bien. Ensuite, je n'aime pas les peccadilles. Ce sont les petits ennuis qui gâchent la vie, pas les gros. De quoi s'agit-il? Dodgson. Là, nous y voilà. Vos yeux lancent des éclairs. Vous avez l'air d'un cumulus, mon cher. Alors, vous éclatez ou vous n'éclatez pas? J'éclate. Et j'éclate parce qu'il était mon devoir d'éclater. Qu'a-t-il fait? Quel est son dernier crime? Si c'est d'aller au théâtre à Londres, je crois lui en avoir donné la permission. Vous? Moi. Dans son cas, ce n'est pas un péché mortel. Une innocente fantaisie, tout au plus. Il en a bien d'autres. En effet, savez-vous par exemple qu'il s'occupe maintenant à rimailler des poèmes païens? Non, j'ignorais. Sachez-le, sachez également qu'il se propose de les publier sous son nom de guerre. Si ce sont des poèmes païens, il vaut mieux qu'il ne les publie pas sous son vrai nom. Oui, naturellement. Mais pour l'honneur de notre ami, pour l'honneur d'Oxford, il vaudrait encore mieux qu'il ne les publiât pas du tout. Mais vous avez raison, ceci est peu de choses, et il se prépare à faire pis. Mon Dieu, vous commencez à m'impressionner. Vous jugerez vous-même et vous jugerez sur pièce, monsieur le doyen. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le jugement personnel de Dodgson sur le cadeau que nous a fait Charles II il y a 200 ans. Ça, c'est un placé sur notre chère cloche d'Oxford. Je le voudrais condamner au silence. Monsieur Dodgson, apparaît-il, fait le projet de le faire parvenir à la reine. Et il commence par la grosse cloche sonne. La grosse cloche sonne. La grosse cloche sonne. Ne bougez pas, Alice. Il ne faut pas bouger. Alice, tu gigotes. Je voudrais bien t'y voir, toi, avec un moustique sur le nez. Ce n'est pas possible, Alice. Votre nez est en Chine. Et en Chine, il n'y a pas de moustique. Ce doit être un dragon ou un griffon. Voilà. Maintenant, nous allons dissimuler la ficelle dans l'herbe, à l'endroit convenu. Et nous allons occuper notre place parmi vous, jeunes païens. Là. Maintenant, il ne reste plus qu'à compter jusqu'à 10. Enfin, compter, c'est une façon de parler. Nous sommes prêts? Papa, on est des Chinois. Papa, c'est M. Dodgson qui a trouvé nos costumes. C'est des vrais costumes, comme au théâtre. Seulement, papa, allez, je gigote. C'est pas vrai, je ne gigote pas. N'est-ce pas, M. Dodgson, que je ne gigote pas? Je pense que vous n'avez pas d'objection. Allons, mes enfants. Allez, allez. Oui, papa. Mais papa, on devait aller ramer sur la rivière avec M. Dodgson. C'était promis. Il faut obéir à votre père, Alice. Mais M. Dodgson... Bien.
C'est un passe-temps qui n'est pas sans intérêt, la photographie. Passionnant, monsieur le doyen, c'est passionnant. Aujourd'hui, on cherche, on tâtonne, et demain, on découvre. C'est peut-être une science, peut-être un art. Ah, oui. En tout cas, si ça pouvait leur apprendre à compter jusqu'à 10, ce ne serait pas du temps perdu. Dixon, voulez-vous venir avec moi un instant? J'ai à vous parler. Je crois savoir, Dixon, que vous avez songé à nous quitter. Quitter Oxford, Dixon, y pensez-vous? Je connais le chemin que vous voulez suivre. C'est celui de l'évasion. C'est celui du rêve. Il faut oser le dire, Dixon, c'est celui de la nouveauté. Pendant que vous êtes encore à portée de ma voix, de toutes mes forces, je vous crie, casse-cou. Sur le chemin en question, il est peu probable qu'une fois engagé, vous puissiez faire machine arrière et rejoindre la tradition. Vous êtes-vous posé cette question, Dixon? Non. C'est-à-dire, oui, monsieur le doyen. Quitter Oxford. Y aviez-vous vraiment songé? Oui. C'est-à-dire, non, monsieur le doyen. Y songez-vous encore? Non, monsieur le doyen. Qu'est-ce que c'est que ça, au juste? C'est un objectif. C'est extrêmement fragile. Et ça sert à quoi, exactement? Cela se range ici. Tenez, pardon. Comme ceci. Mais voilà. Vous êtes un magicien, Dixon. Eh bien, je suis content de vous avoir réconcilié avec Oxford. Réconcilié? Mais j'aime Oxford, et si seulement il s'y passait quelque chose, je crois même que je l'adorerais. Mais s'il s'y passait quelque chose, ce ne serait plus Oxford, ou alors Oxford ne serait plus en Angleterre. Tenez, notre grosse cloche, par exemple. Notre grosse cloche qui sonne depuis Charles II. Peut-être, oui, mais... Charles II, lui, depuis 1685, il ne l'entend plus. Il faut avouer que c'est parfois un peu bruyant. Vous aviez l'intention de faire connaître cette opinion à la reine. Eh bien, vous en aurez l'occasion. La reine nous rend visite dans 8 jours. Du doyen, m'avez-vous dit? Docteur Liddell. Docteur Liddell. Le docteur Liddell a 3 filles, Lorina, Edith et Alice. Il est en train de terminer un dictionnaire grec. Il en serait à la lettre sigma ou upsilon. Lorina, Edith et Alice. Sigma ou upsilon. Il a une collection d'incunables d'une très grande valeur. Des incunables? Des livres anciens. Des incunables. Bon. Nerveux, Dixon? Pas tellement. Ah, Liddell, je vous cherche partout. Votre femme voudrait vous voir immédiatement. Voilà, voilà. Il me semble que vous avez été bien économe sur le tissu. Elle dit que c'est extrêmement important. Si c'est extrêmement important. C'est au sujet des tartes. Ah oui, à propos de tartes, il est bien entendu que les enfants restent dans leur chambre. Mais, monsieur... Bien entendu. C'est ça, votre homme qui a la varicelle? Oui. La varicelle. Vous vous trompez, mon ami. C'est la varice, tout simplement. Comme dirait notre grand poète. C'était Guillaume IV. Et il y avait déjà des tartes, parfaitement. Mais comment le savez-vous? Vous étiez trop jeune. Et comme je disais non, lorsque Louis Portable se tope... Monsieur le doyen, vos filles vont être tellement déçues. Mais si elles promettaient d'être sages comme des images... Non, Dixon.
Mais rassurez-vous, elles auront de leur fenêtre une vue plongeante sur les événements qui n'est pas sans intérêt. C'est ce qu'a décrété le vice-chancelier, Alice. Mais je veux voir la reine, moi. Tiens, Dinah, ça va? Dinah aussi veut voir la reine. Comment le savez-vous? Elle me l'a dit tout à l'heure. Alice, vous savez bien que ce n'est pas possible. Si, elle me l'a dit. Non, ce n'est pas possible. Dinah sait bien qu'un chat ne peut pas regarder une reine. Pourquoi? Il regarde bien un évêque. C'est vous qui me l'avez dit. Oh, un évêque, oui, mais ça peut être la limite. Alors, Alice, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle dit qu'elle voudrait... encore du mou de veau. Je n'ai pas de mou de veau pour Dinah, mais j'ai apporté quelque chose pour vous, Alice. Une tarte aux cerises. C'est une des tartes de la reine. J'ai peur que oui, Alice. Vous avez volé une tarte de la reine? Et si elle vous coupe la tête? Et puis, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour le vice-chancelier, c'est bien fait pour tout le monde. Est-ce que c'est bon? Si vous aviez toujours mangé votre soupe comme ça, Alice, vous auriez grandi plus vite. Et aujourd'hui, vous verriez la reine. Mais aussi, pourquoi n'y a-t-il que la soupe qui fait grandir, Monsieur Dockson? Eh bien, parce que si c'était les tartes ou les choux à la crème, les enfants seraient plus grands que les grandes personnes, et on ne s'y reconnaîtrait plus. Oh, la voilà! Voilà la reine! Elle arrive! Oh, mon Dieu! Majesté, votre royale Altesse, Christchurch est particulièrement honoré de vous souhaiter la bienvenue. Merci. Merci. Me permettez-vous de présenter à vos seigneuries notre éminent doyen, le docteur Liddell. Bonjour. Comment vont vos filles, docteur Liddell, Lorina, Edith et Alice? Bien, madame. Très bien, tout à fait bien. Je suis touché à un point que je ne saurais dire. L'intérêt que votre majesté porte à mes filles m'honore beaucoup. Et maintenant, puis-je vous présenter Monsieur Smith, qui dirige ici nos humanités. Monsieur Charles Dockson, qui occupe la chaire de mathématiques. Monsieur Dockson, j'ai lu dernièrement dans une de nos revues un poème d'un certain Lewis Carroll. Fort joli, ma foi. Félicitez le don de ma part. Madame, je... Et quel est donc le sujet de votre prochaine œuvre? Le sujet de ma prochaine œuvre, en quelque sorte, c'est la tradition, madame. Il s'agit d'Oxford, il s'agit de Christchurch, il s'agit de notre chère cloche. C'est un bon sujet, monsieur Dockson. Je suis comme vous, sensible à l'idée que, quoi qu'il advienne, le son de notre chère cloche traversera les âges. C'est un merveilleux symbole. Un symbole. Peut-être, madame, vous plairait-il maintenant de prendre le thé avec nous? Ce serait un tel honneur pour Oxford. Et ce serait un réel plaisir pour moi. Je meurs de soif. Thank you.
la reine parfaitement quand sa voiture passera le pont. Je déteste la reine. Pourquoi est-elle entrée dans la bibliothèque? Pour voir la collection d'incunables de votre père, Alice. Vous devriez en être fière. Mais moi aussi, je voulais voir les incunables. Tu sais bien que c'est défendu d'entrer dans la bibliothèque. En attendant, voulez-vous que je vous raconte une histoire? Oh oui, une histoire avec des animaux. Des animaux comme Dinah? Tous les animaux sont comme Dinah, Alice. Il se passe dans leur pays des choses merveilleuses. Seulement, les hommes ne les comprennent pas. Il était une fois une petite fille nommée Alice. Alice commençait à en avoir assez d'être assise sur la rive à côté de sa sœur. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre, mais c'était un livre sans images. Peut-on lire un livre? Songez Alice. Qui n'a même pas d'image en couleur. Quand tout à coup, un lapin blanc, aux yeux rouges, passa près d'elle. Alice ne fut pas autrement surprise d'entendre le lapin se dire à lui-même: mon Dieu, je vais être en retard. Mais lorsque le lapin tira une vraie montre de son gousset, la regarda, puis hâta le pas. Alice se dressa sur ses pieds. Brûlante de curiosité, elle courut derrière le lapin et arriva juste à temps pour le voir disparaître dans son terrier. Une seconde après, Alice s'élançait derrière lui sans se poser la question de savoir si, une fois engagée, elle pourrait faire un jour machine arrière. Flaquette, c'est fou ce que je suis en retard. Mon Dieu, que va dire la reine?
seulement je pouvais me replier comme une lorgnette. C'est facile à dire, bois-moi. Mais il faut d'abord que je regarde si c'est marqué poison. J'ai toujours entendu dire que si l'on boit une bouteille marquée poison, on est presque certain d'avoir des ennuis. Cela ressemble à un mélange de réglisse, de petits laits, de jus de tomate, de raisin, de grenadine et de framboise. On dirait que je suis tombée dans la mer. À moins
ce soient mes larmes quand j'étais si grande. Quand elle ronronne au coin du feu, c'est un vrai chou. Dieu que c'est touchant. Comme c'est sympathique. Elle ronronne près du feu. Ronronne. Vous l'avez dit. Ronronne. Oui. Ronronne. Daina, c'est un chat. La séance est ouverte. Qui demande la parole? C'est personne. Tous ensemble, ça ira beaucoup plus vite. Nous parlerons quand nous voudrons. Vous avez la parole, mais tâchez d'être bref. Pour nous sécher, il n'y a qu'une course à l'assiette au beurre. Qu'est-ce que c'est que ça?
qu'une course à l'assiette au beurre. Attendez, nous allons vous montrer ça tout de suite. C'est très sportif. D'abord, je vais dessiner l'assiette. Maintenant, s'il vous plaît, tout le monde au départ. Qui va monter? Un volontaire? Brûlez la maison.
Quoi? Un caillou? Lance-le, poltron. Mange-moi. Enfin, je vais pouvoir redevenir petite et sortir d'ici. Sera pincé, la reine lui coupera le cou. À cet étranger. J'ai. Regardez. Je vous ai dit que c'était un crime de lèse-majesté. J'ai le reste. C'est vraiment un crime affreux. C'est horrible. Une catastrophe. Au nom de la reine, en avant. Normal. Je suppose qu'il faudrait que je mange ou que je boive quelque chose. Mais il reste à trouver quoi? De plus en plus curieux. Qui êtes-vous, madame? C'est difficile à dire pour le moment. Expliquez-vous. Justement, c'est difficile quand on change perpétuellement. Je ne comprends pas très bien. J'ai peur de ne pas pouvoir vous exposer ça beaucoup plus clairement. Passer son temps à grandir et à rapetisser, c'est très embrouillant. Quelle taille voulez-vous avoir? Dans ces conditions, si un petit peu plus haute, ça ne vous faisait rien. 8 cm, je trouve ça un peu juste. C'est déjà une très bonne taille, pourtant. 8 cm, juste, quelle toupette. C'est une course au clocher. C'est une poursuite. Une course. Une poursuite. Course. C'est une course poursuite. Attention au pas. Les clochers, c'est de la taper. Allez, poisson, poisson, allez, allez, les poissons, vous la belle. Poisson, allez, en mer. Vous prenez le monde toujours à l'eau.
vivant, des îles et des îles, du Copernic, du Grand, du Copernic, du Grand, du Copernic, du Grand, du Grand. Pour la Duchesse, une invitation pour le croquet. De la part de la reine. De la reine? Une invitation pour la duchesse? Merci. Palais et poissons pour de mer, poissons, palais en mer, palais. Poissons. Poissons. Palais. Poissons. Palais. Les tartes de la reine, par hasard? Oui, monsieur, mais ne dites rien à sa majesté. Lui dire quoi? Vous n'êtes pas le voleur. Vous n'avez encore rien compris. C'est une étrangère qui est coupable. Il est inutile de frapper, et cela pour deux raisons. D'abord parce que vous voyez bien que je suis comme vous de ce côté de la porte. Deuxièmement parce qu'ils font tellement de bruit à l'intérieur que personne ne peut vous entendre. Peut-être est-ce que vous allez pouvoir me dire... Il faut d'abord éclaircir ce point. Mais qu'est-ce que je dois faire? Faites donc ce que vous voulez. Il y a vraiment de quoi devenir folle. Bonjour. S'il vous plaît, pourriez-vous me dire quelle direction je dois prendre? Cela dépend en partie où vous voulez aller. Dans cette direction se trouve la maison du dingo. Et dans celle-là, celle du cinglé. Vous pouvez choisir, les deux sont fous. Mais je veux voir la reine, moi. Je n'ai rien à faire chez les fous. Ça, vous n'en savez rien. Je suis fou, vous êtes folle, il est fou, ils sont fous. Je
suis folle, moi? Sûrement. Sans ça, vous ne seriez pas ici. D'abord, comment savez-vous que vous, vous êtes fou? Les chiens ne sont pas fous. Je ne suis pas chien, donc je suis fou. Admettons. Ensuite, un chien grogne s'il est en colère et remue la queue dans le cas contraire. Moi, je souris au lieu de grogner. Et si je ne suis pas content, je remue la queue. Je fais tout le contraire. Êtes-vous du croquet de la reine aujourd'hui? Cela me ferait très plaisir. Je compte m'y rendre. Ou est-ce la maison du cinglé? Du thé. Moi qui meurs de soif. Complet. Il y a des tas de places libres. Voulez-vous de la limonade? Mais il n'y a pas de limonade. Non, il n'y en a pas. Alors ce n'était pas très poli de m'en offrir? Pas très poli non plus à vous de vous asseoir, sans y être invité. Poussons-nous tous une place. Le combien sommes-nous aujourd'hui? Le 4. Oh, 2 jours de retard. Poussons-nous tous une place? Non! Il était une fois 3 jolies petites filles qui habitaient toutes les 3 dans le fond d'un puits. C'était un très, 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 très grand puits. C'était un puits de science. De quoi vivait-elle? D'orthographe, bien sûr. Mais on ne vit pas d'orthographe, on tomberait malade. Elles sont tombées dans le puits. Malade ou dans le puits? Malade. Et dans le puits. Reprenez du thé. Je n'ai encore rien pris. Je ne peux pas en reprendre. C'est laid d'être têtu. Ça l'a pris le jour de la Saint-Glinglin, pendant le thé chantant donné par la reine. J'y chantais mon grand air. Tic-tac, tic-tac, le temps vole. Le temps vole au-dessus de ma tête. Vole, mais je donne les folles. Au voleur, faut qu'on l'arrête. Tic-tac, 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 tic-tac. C'est toujours de la faute des autres. Tu ferais mieux de te taire. Hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'être décapité.
Pourquoi? Oh, t'es vraiment trop curieux, deux. Je suis sûre que la reine serait passionnée par ce que vous faites. Et pourquoi peignez-vous ces roses? Le fait est, monsieur du lapin, qu'il devait y avoir des roses rouges à cette place. Et on s'est trompé en en mettant des blanches. Si jamais la reine s'en apercevait, elle nous ferait couper la tête à tous les trois. Vous comprenez, monsieur du lapin? Je comprends très bien. Vous n'allez pas le dire à la reine, n'est-ce pas, monsieur? Elle aime trop les exécutions. Vous aurez été aussi pauvre que nous, autrefois. Peut-être, mais maintenant, je suis devenu un fameux lapin. Et aujourd'hui, je croquette avec la reine. J'ai des plus misérables, des petits enfants méprisables, de la pauvre famille des lapins innombrables. Je n'étais pas fréquentable, il n'y avait jamais rien sur table, mais un beau jour j'ai compris la règle du jeu. Un beau jour j'ai compris la règle du jeu. Et depuis quand je la joue, tout va beaucoup bien. Envoyez-vous les c'est fait pour être roulé, il n'y a qu'une seule règle à respecter, c'est de gagner. Si quelqu'un dit l'argent ne fait pas le bonheur, ou midi c'est 14 heures, je détourne la tête avec horreur, et me dis quelle erreur. Mais si ce quelqu'un c'est la reine de cœur, j'applaudis ce mot d'auteur. Et j'en mets ma montre à l'heure. Oui. Et je crie votre majesté. Oui. C'est rigoureusement la vérité. C'est la vérité. Pourvu que ça rapporte. À ma porte. Je lui demande ce qu'il m'apporte. Et s'il n'a rien, je crie d'une voix forte. Allez, que le diable vous emporte. Sa Majesté, la Reine de Cœur. Elles doivent être là, car je les ai faites moi-même. Eh bien, elles n'y sont plus, ma chère. Bien sûr qu'elles n'y sont plus, votre majesté. Elles ont été volées. Quoi? Volées? Mes propres tartes?
Quelqu'un paiera ça très cher. Frappez-le le coup. Frappez-le le coup. Frappez-le le coup. Frappez-le le coup. Avant que vous ayez tout à fait dépeuplé le royaume, ne voudrait-il pas mieux trouver le coupable? Oui, oui, le coupable, le coupable. Coupez, coupez. Allons, donnez-moi le nom du coupable. C'est elle, la coupable. Cou, 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 coupez-le le cou. Ma chère, il faut la juger d'abord. Pourquoi la juger? Tout ce qu'il me faut, c'est qu'on lui coupe le cou. Mais pas sans un jugement. Il faut suivre la règle du jeu. Pas pour le jugement, si vous voulez. Mais après, on lui coupera le cou. Ah, fais la règle du jeu. Debout, espèce de paresseux. Très amusant, petite. Quelle vie! Et le curieux pays. On m'enferme dans un arbre et je me retrouve dans cette pièce d'où je n'ai jamais pu sortir. C'est amusant! Qu'est-ce qui est amusant? Figurez-vous qu'on va vous exécuter au petit jour! Au petit jour? Ils exécutent toujours les gens au petit jour! C'est une habitude! Pour l'instant, écoutez et regardez! À votre chef, c'est le mec qui mène vos tous au vide comme moi. Vous êtes plus lentes, vous êtes plus lentes, vous êtes plus en amont. Si vous voulez trop fricoles, qui m'a mis les frais d'escargot. Escargot, mon frère, c'est comme un des dragons qui l'escargot. Lassez ma courbite qu'on a, vous prenez pas joie de blé. Lassez ma courbite qu'on a, vous prenez pas joie de blé.
monsieur le juré. Doucement, doucement, il faut suivre la règle. Je vais lire l'acte d'accusation. La reine de cœur a fait des tables, des tables faites trop peu. La reine de cœur a fait des tables, des tables faites trop peu. Eh bien, messieurs les jurés, elles ont été volées. Appelez le premier témoin. Premier témoin. Je demande pardon à votre majesté d'apporter toutes mes petites affaires, mais je n'avais pas encore fini mon thé quand on m'a fait chercher. Prenez note, c'est très important. Veuillez déposer. Et pas de nervosité, n'est-ce pas? Ou je vous fais exécuter. Prenez cette autre. Je venais juste de commencer mon thé, il y a à peine 2 ou 3 mois, et les tartines de beurre commençaient à manquer. Quand mon ami le cinglé a dit... Je ne l'ai pas dit. Menteur! Je ne l'ai pas dit. Puisqu'il nie, ne notez pas, messieurs. Qu'est-il arrivé ensuite? Après ça, j'ai retrouvé une dernière tartine. Tartine! Tartine! Expulsez ce noir de la salle! Je vous remercie. Tic-tac, tic-tac, le temps vole. Le temps vole au-dessus de ma tête. Tartine, 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 tartine. Coupez-moi le cou de ce noir. Tartine, tartine. Vous permettez? Merci. C'est la moindre des choses. Appelons, messieurs les jurés, le témoin suivant. Il n'y a plus besoin d'autres témoins. Venons-en à l'exécution. Très bien. Faites entrer l'accusé. Répondez. Que savez-vous de cette affaire? Rien du tout. Prenez note, c'est extrêmement important. Sans importance, veut dire votre majesté. Sans importance, naturellement. Important, sans importance. Important, sans importance. Il faut absolument trouver une raison pour la faire exécuter tout de suite. Règle 42. Toute personne plus haute qu'une maison doit quitter la cour. Je ne suis pas plus haute qu'une maison. Mais si. Vous êtes haute comme 3 maisons. Ce n'est pas une vraie règle. Vous venez de l'inventer. Tartine, tartine. Jetez-le dehors. Votre Majesté, on vient de trouver cet important papier. Que dit-il? Je ne l'ai pas encore lu, mais il est de la main de la prisonnière. Ceci n'est pas mon écriture. L'accusé a dû imiter l'écriture de quelqu'un d'autre. C'est une preuve contre elle. Coupez-lui le cou. Lisez. Mais par où désirez-vous que je commence, votre majesté? Commencez par le commencement. Le retard, c'était lui le premier. Je lui en ai donné 1, et puis 2, il m'en a donné 3. J'aurais préféré le contraire, car c'est moi qui le rends droit. Le hasard fait très bien les choses, à vrai dire. Dans ce cas, il valait mieux que tu le poses, car on ne le rendrait pas. J'ai l'impression qu'il me mentait avant ces événements. D'ailleurs, l'obstacle qui se dressait me semblait imminent. Laissez-lui ignorer ce qui se passe, ça vaudra mieux pour nous deux. Il apprendra bien quoi qu'on fasse, les mieux pour moi que pour eux. C'est la plus importante des pièces à conviction. C'est la plus horrible des confessions. Tiens, messieurs les jurés, veuillez rendre votre verdict. Non, non. Coupez-moi le cou. Non, je me moque de vous. Après tout, vous n'êtes qu'un paquet de cartes. À ces mots, le paquet tout entier vola en l'air et retomba autour d'Alice, de ci, de là, en voltigeant. Elle poussa un léger cri. Oh! Oh! C'était la frayeur, mais c'était aussi la colère. Et il faut avouer qu'il y avait de quoi se fâcher.
Elle était là, à essayer de les repousser de tous les côtés en gesticulant. Et alors, monsieur Dockson? Et alors quoi? Alice. Eh bien, Alice se retrouva là d'où elle était partie, sur le bord de la rivière. Sa tête reposait toujours sur les genoux de sa grande sœur. Sa grande sœur ôtait une à une les feuilles qui venaient frôler son visage. Car c'était ces feuilles mortes que, dans son rêve, Alice avait prises pour le jeu de cartes. Mais je n'ai pas rêvé! C'était pour de vrai. On ne dit pas c'était pour de vrai, Alice. Je vous l'ai déjà dit. Surtout quand c'est faux. Un rêve est un rêve et rien d'autre. Nous n'y pouvons rien. Mon Dieu, nous allons être en retard. Comme dirait le vice-chancelier. Mais monsieur Dockson, c'était vrai, dites. Bien sûr que non. Vous avez déjà vu dans la vie des lapins blancs sortir des terriers et se mettre à parler aux petites filles.